C'est parti! Bah attends, il a pas dit ready, nouveau. Ah mais je lance le stream. Je balance le son. Et je remets le son. Ah, cette chanson. Ok, c'est parti. Ok, tiens. On est bon. What? Oh, va falloir relancer. Quoi? Nouveau, c'est trompé de race. Quel péon! Bah, t'es observeur. Faut que tu te mettes. Référé. Ouais, référent. Si tu veux Arbitre. faire ça. T'as mis WCS? Oh ouais, le beau gosse. Ah oui. Attends, il est où l'autre? Moi je suis l'homme Y a ou... pas d'autre copain? Où est-il là? Il joue contre un mec qui s'appelle Purse. Mais non, c'est démon. Ah non, ok. Mettre les bons adversaires. Je crois que c'est notre dernier match de la Copro League. J'ai regardé nos stats. Tout ça, on est bon. Comme je sais que tu as pensé à changer la scène, je te le rappelle pas. Ah, elle est déjà changée hein, depuis la tentative de game qu'on a eu juste avant. Au nouveau, c'est trompé de race. Alors, en attendant que ça se lance quand même, Ok, c'est mets en bien. x2, parce que le début c'est un peu... Désolé, je peux pas. T'as moyen d'accélérer le temps? Ouais. C'est vrai? Ah, Oh, ouais, je fais zut. ça en général avec une bière. Ah. Bah, j'ai une petite Ça green marche là. plutôt bien. Merde, je me suis trompé de le Oui. suivant. Si tu veux caster. Alors, on a une hatch first contre un gate Asim et probablement un Nexus. Moi, ce que je pense, c'est que Novo, À je voir ce crois qu'il va se coter qu'il en tout cas. Et aime pas trop, il aime pas ah, très bien, il trop. y a une réaction de démon par rapport à Spilone. Ouais. Ah, il l'a pas cancel. Non, non, il a trop raison parce que là, il lui fait croire que c'est un sopalin Ah ouais, il sauvage est pas alors qu'en jusqu'au fait, bout. c'est un fake. Et pendant ce temps-là, il mine pas. Ça, c'est très bien. Ouais. Ouais, mais dans le cas des ergs, comment ils peuvent contrer ça? Parce que. Bah Faut se déjà la dire, il va première pas le faire. Si tu veux pas envoyer tous tes drones à l'attaque. bah là en fait c'était grillé parce que si c'était un vrai canon rush il poserait direct des canons et il essaierait de wall-er pour empêcher les pylônes de sortir. En plus les mecs qui savent vraiment faire le truc. C'est au niveau de la. Ils mettent un pylône en dessous et ensuite ils mettent trois pylônes en haut de la rampe. Ah, ici, ouais. Ouais. La rampe entre B1 et B2. Et si.
Voilà, mais Novo, il s'est mis bien, juste avec cette petite feinte gauche-droite là. La question c'est, C'est super il a bien. 200-200, qu'est-ce qu'il va faire une Stargate? Je pensais qu'il Putain. jouait pas Stargate, et pourtant il joue Stargate. Tu crois qu'il va partir sur quoi, Oracle? En vrai, ça sert Parce à qu'il y rien a de trois la proxy. possibilités, hein, Phoenix, Voidray, Oracle. Alors ça, c'est forcément l'un des trois, je te l'accorde. C'est vrai que Novo, il peut être un peu cheeky, donc Et moi je suis pas en je le faveur vois de bien Voidray. open Oracle. Ouais, open Oracle. T'en fais deux, puis tu one-shot tous les ouvriers d'un coup. Ouais, enfin pas tous, un par un, mais... Oui, un par un, mais bon. Quand il sera pas dessus, ouais, ça va être une hécatombe. Il gère bien les pressions adeptes en tout cas. Ouais. Bon, il va le perdre. Oh, La même pas. prof qui fait un taf de Oh, il a merde. misclick le haclic. Quoi? Il a cancel la chaîne? Ouais, ça prend 4. Hein. L'oracle, l'oracle qui chill. L'oracle qui chill et qui se refait une santé. Ouais, il fait plein de mana. Hein. Alors, est-ce qu'il aura le temps de se défendre? En tout cas, il a le temps de finir la Warp Tech. Parce que sans battre les shields, il va le perdre là. Ouais. Ça, c'est obligatoire. Pas volé par contre. Hein. C'est pas volé? Bah, Ah, c'est si, peut-être. complètement volé là. Si, voilà aussi, oui, c'est. Alors là, il en a deux. Il attaque, il va directement sur la B2. Ouais. Alors, il attaque la queen, Et malheureusement. il va se faire la queen d'abord. Ah, il est pas dessus. 4, 5, 7, 8. Ah, il a check click, c'est pas mal. Ah, il est bientôt plus d'énergie sur la première. En attendant, il y a une attaque sur la B2, mais bon, il va le contrer rapidement. Alors 5 kills sur celui-là, 8 sur celui-là. Ouais, ça continue. Ça nous fait 16 drones en moins. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais en vrai, c'est assez un peu naze. Bon, par contre la macro, tu vois, elle était en pause. Bah oui. Et au moins, il a fait des probes, donc il a 50 probes, donc il est vachement bien niveau probes. Ouais. Mais il a pas posé 2-3. Alors, Et il va perdre sa Stargate. C'est pour ça non mais que ça la c'est faire pas en grave. proxy, c'est pas ouf, hein. En fait, il a fait le taf là. Les oracles ont fait leur taf. Maintenant, on regarde la suite sur B2. Voilà notre Novo là. Et bien sûr les 5 portails sortis sur la B1. Bah. Ah. Ils sont beaux. Je suppose pour le prisme. Par contre, poser, t'as les oracles, t'as tout pour voir, et tu poses quand même la Stargate sous le Overlord, quoi. Ouais. C'était pas la meilleure opération. C'est pas le meilleur bail. Bah Et après, il va surtout, ça va poser. être des super late. Et t'as déjà forcé le mec à faire des sports parce que t'as ouvert Oracle. Après, je sais pas si ça change grand-chose. Parce que les oracles ont forcé les spoilers sur chaque base. Donc il aura la vision. En tous les cas. Alors par contre, ce run by, ouais, il l'a vu. Il perd 7 probes là. 7 probes sur ce petit run by quand même, c'est lourd. Alors Mais surtout, ne perds pas l'avantage trop de c'est plasma. que
qu'il sait qu'il y a la DT Tech. Du coup, le Zerg peut pas vraiment attaquer sans des overseers. Parce que sinon, les DT vont être trop efficaces en défense. Tu vois ? Il a fait son premier overseer. Ah, il l'a vu, il anticipe. Il attaque la BL, la P3. Chier de sentry. Il va partir de la rampe en 3, 2, 1. À moitié. Ouais, alors ça. Les DT qui se font plaisir sur la P2. Elle est DT là. Hop, hop, hop. Ça charcute. En ce temps-là. Ah, il est largement assez de sentry. Nouveau, t'as pas le droit. Ah, mais ça passe crème. Hein. En plus, il a une B3 complètement saturée. Bah, il faut finir, monsieur. Ah, il faut finir. Allez, pauvre applique, pauvre applique. On va se prendre trop de build. Voilà, là, il est dessus. T'as pas une build qui passe. Oh. Même s'il perd celle-là, de toute façon, le compte de drone. Non, il est bien. Propre, très propre. Alors, cette fois-ci, ça va être sur Oxide. C'est bon, il y a tout le monde. C'est le clan, cher monsieur. Il s'appelle Warf quand même. Oui, mais je veux dire, t'as pas écrit ça dans le lobby, t'as écrit ça dans le clan. Oh. Ah, mais j'ai dit chat en même temps. Comment on sélectionne salon direct ? On t'en veut pas, c'est pas grave. Juste tab. Non, mais je dois taber 6 fois. Arriver sur le bon. Je peux que tu doives taber 6 fois. Je peux pas faire ça. Nouveau aussi. Ready, ready, yes. Les protos. C'est bon. J'anticipe, je bascule de la scène. Bon, Iron malheureusement a perdu. J'en ai peur. Oui. Sur l'autre stream, ah, alors en joueur, nous avons Taman en bas à gauche, joueur Serga. Qui s'est fait mener par Novo, joueur Protoss en haut à droite. En haut à droite pour notre équipe maison. Allez, ramène la coupe, Novo. Là. Oui, Novo qui a déjà fait la moitié du travail. Alors, est-ce que Démon pourrait singer au vu de la tech qui s'est pris juste avant? Déjà, il n'y a pas de pool. Il va... Ah, bah tiens. Ouais. Empêcher la pose de B2. Ce carte est un peu court. Ah, cette fois-ci, il fait bien la forge. Mais par contre, où est-ce qu'il va poser ses photons? Ah, ah ouais, gaz. Non, mais là, c'est vraiment douloureux parce que. Là, ça va être du sale, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça sent le Skytos. Non?
Non. Il va juste lui poser un pylône juste là, là. Ouais. Et là, il est coincé, démon. Il est coincé parce que c'est loin. Mais il envoie quand même Mais il quelques envoie. ouvriers. Le bassin génétique. Et cette fois-ci, il le Et tag en plus. là. Et la surprise, c'est le vrai. Et il a pas assez de DPS pour tout cancel. Ah, il cancel la hatch. Ou Ah alors ouais, positionner en et là, PV. nouveau, tu cancelles tout, hein? Bah, il faut. Ou alors, non, bon, non. Le Oh là là. Ah là Par contre, là. faut qu'il fasse gaffe. Parce que l'arrivée de Zerling chez lui, ça pourrait faire mal. Bah ouais, mais il produit pas de Zerling, Pas de l'ami ling, démon pas de là, il speedling. attend. Il est en PLS. Bon. Ah, et il met pas de photon cette fois-ci. Bah non, parce qu'il sait qu'il y a des Zerlings. Et Ouais. là, tu peux pas Il y a la full wall là ou pas? compter. Non, il y a un espace, je crois. Ici, entre les deux gates. Ouais, espace de 1. Et il met un photon. Photon le brute. Il va prendre son deuxième gaz. Mais voilà. Démon, il doit pas être heureux dans cette game. Non. Surtout qu'il y a deux tentatives. Ah, il a quand même laissé son canon et son pylône. Hein. Ça fait quand même pas mal de ressources. Et il produit pas d'unité. Il faut le wall pas. Attention. Il va se faire scouter. Ah, démon, il a le démon là. Il a le turbo démon, comme disait l'autre. C'est transitionne Dark Pop qui nous avait rapidement sur sorti ça. T2 là. Ça pourrait partir Ouais, Sony du sang. c'est ça, on est d'accord. Hein. La transité de direct, ça veut Ouais. dire ni du sous ni du sang. Et Novo qui part robot! Robot! Je crois que la dernière fois que j'ai vu Novo se prendre un fast Nidus, ça s'est mal passé. Ouais, mais t'as vu, il apprend de ses erreurs, il a 100% de vision dans sa main. Mais s'il y a un Nidus qui sort, il aura pas le DPS là. Tiens, En vrai, aiguille. s'il le chope direct, c'est Mutard en fait, donc il est baisé de toute façon. Donc on s'est Il a fait trompé, robot. il a bien fait aiguille là. Ouais. Le Alors somme. voyons comment un Protoss s'en sort face à des mutas. S'en sort pas. Partie robot, t'as perdu. Ah, il va pas chercher la vision en premier. Direct les mots. En vrai, il a beaucoup beaucoup insisté sur le canon rush et c'est passé. Mais après, il a laissé le Zerg faire ce qu'il voulait un peu trop longtemps. En général, quand tu fais ce genre de build, en général, quand tu t'enchaînes sur un proxy blink ou proxy robot ou proxy void, là. Premier Heureusement, il fait méta plein de gates. en cours de production. Ouais, mais il va y avoir 7 gates. 7 gates, Là, il manque j'espère. un consécré plus quand même. Hein. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de consécré plus, il n'y a pas de Là, voilà. soucis. Ah, 6 méta. Par contre, il a aucune vision. Faudra qu'il fasse une hallucination, quelque chose. Il va se faire il va dire ah débuta merde j'ai aucune défense parce que là il va arriver dans la B2 du Zerg, les mutas vont être chez Alors, lui. la bonne nouvelle, c'est que ça c'est pas mal. Du Warping des Stalkers.
Et il y a des sentries. Les Ah ouais, bah. sentries, c'est super fort contre Muta. Ça, avec le Guardian Shield, tu gagnes des fights incroyables. Faut les focus les méta. Faut laisser faire les mobs contre les Erlings. Les prendre à Voilà, part mais un il là. a pas le choix. Oh là là, qu'est-ce qu'il joue bien hein? Ah, il va prendre cette base carrément. Ouais, bah t'as un Ah, immortel il et est bien tout, là. il va Par reculer contre, de. en anti-air, il a plus grand-chose. Mais c'est vrai que les Bah méta, il pas n'y a dit comme pas énormément de ça. DPS. Et là, oh le prisme. Ah, il jongle avec les trucs. Non, je voyais mal parti, mais putain, ça sent Ouais, bien. il a. Ah, et en plus là il va prendre des mitas gratos parce qu'il sort pas dans la mauvaise patch. Ouais. Y a pas de rally point. Oh, il n'y a pas de rallye. 24 là. Tu vois la Ouais. quantité de ressources qui se sont évaporées d'un coup là. Et on reprod, tranquillement. Ah, il tente même pas de poser une B3. Il pense qu'il va en finir sur ce bourg en fait. Par contre, faut faire attention au Queen. Y a pas de DPS là. Ouais, mais là il y a des élotes à la fronte qui meurent pas. En fait, tu sens que ça pue la merde. Tu sens que t'as 15 d'armée contre 45. Ouais. Tu sens que tu vas Allez, te faire full les crotter boys sur les là, côtes. c'est ton clic. Ouais. Avec autant de sol faire en face. Bien joué. Là, faut que je rappelle le. Okay. Dès qu'il a vu juste, il n'avait pas assez de muta. Je me mute, mais je peux rejoindre la game après, je suis là. Défora. Donc du PVT entre White Linker et Macro Click. Ah ben voilà, celui dont parlait c'était K. Par contre, est-ce qu'il est dans le canal? Ah, voilà.
réussi, très bien. Donc, ma croix à clic d'adversaire de White Linker sera 4600. Au niveau des stats, qu'est-ce que nous avons? Voilà, contre Protoss, il a 31% son pire match-up. Son meilleur match-up est le TVZ. Intéressant. Donc, il est prêt. Ok. On sent la partie, les races sont bonnes. Et je reviens pile poil pour le démarrage de cette game. Yes, exact. White Linker contre Macro Atlic. Yes, 4K2 contre 4K6. Ah, attention. Qui est 4K6? C'est pas nous. Aïe aïe aïe. C'est malheureux. Malheureux. Mais après, petit avantage, il aime pas les Protoss. Notre adversaire. Oh, alors ça. Il a 30% hein, sur 50 games. Ah. Tu vois, c'est un petit avantage quand même. Bon. Ah, il fait mon BO. Je pense qu'il a la hantise des proxys Protoss. Bon, on engage le x2. Je me prends une petite bière. Il me reste deux gorgées, c'est pas bon ça. Ah, à la fin de la bière, c'est en général pas ouf. Ouais. Mais s'il te plaît, le cyber, quoi. Cyber, t'as pas le droit. Eh, il a pas le droit. Surtout avec le Reaper hein, qui va se ramener. Ouais. Il va violer tes sondes. Tu entends? Je peux pas le savoir, je peux pas l'entendre. Ah, c'est comme ça qu'on wall. Oh, dommage. N'empêche, il n'est pas directement allé chez le Protoss, il est allé directement scouter, voir s'il y avait un proxy. Ouais, alors après, White Linker qui essaye de waller sur cette map, c'est une horreur à waller cette map, contre les Reapers. Je vois ça, mais ça passe ou ça casse? Bah, il faut à peu près 7 bâtiments pour aller cette rampe, donc... Ah, juste la rampe. Pouf. Non mais je veux dire, le saut de Reaper, quoi. Ah, ça a l'air de passer, hein, en tout cas, son wall. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça passe. Ah, ça... Comment ça s'appelle? Non... Romanticide, c'est pareil, hein. Non, Romanticide, t'as un passage spécifique qui est marqué avec un petit trait et tu peux le waller avec trois bâtiments. Il te faut un petit tiret. Et sur Jagannatha, tu peux waller avec deux pylônes plus gate, c'était bon quoi.
Ah, mais c'est cheaté ça. Oh là, les shift click là. Quoi? Il se met son spatioport en guise de wall. Et il a fumé de l'herbe. Et pas de la bonne, hein. Oh, ça passe. Oh, il accepte. Quel con. Mais c'est quoi ce ricole de l'enfer? Oh, c'est pas passé. C'est dommage. J'avais presque un demi-adepte, mais... Il aurait jamais dû l'accepter. Tu sais que t'es bien dans la game quand tu shades trois fois ton adepte, il est poursuivi par des marines et qu'à la fin tu fais une dernière shade et tu recalls avant qu'il l'attrape. Ouais. Tu sais que t'es des total tilt. Bon, il a scouté au moins que c'était un drop mine. Mais un fast 3ème CC, je sais pas s'il l'a vu. Alors, c'est pas un drop mine. Parce que c'est un viking qui sort et pas un medivac, donc Ah ouais, d'accord. Ouais, les vikings ça drop pas bien les mines. Mais je vois pourquoi monsieur Micro Aclip a des problèmes en TVP quoi, c'est... Ouais, c'est flagrant. C'est avec Bourek qui lui a fait son BO, c'est un peu dommage. Bah, à force de spawn des Void Rail dans tous les sens, je pense... J'ai peur des Protoss. Bah ouais, mais si tu open comme ça, j'espère qu'on te voudrait aussi, hein. Je veux dire, t'as ton spatio. Bah, tu te mets derrière automatiquement là. En plus, il a un 3ème CC, enfin, ça fait du total contre un proxy voudrait son machin. Bon, après, faut voir comment on va gérer le mid-game de Whitelinker. Et la compo qu'il aura. Ce qui serait marrant, c'est que qu'il le macro à clic. Ouais. Il y a tellement moyen en fait. Attends. Après là ils sont à l'équilibre des workers, ça veut dire que Whitelinker a pas bien macro à clic. Bah là il a zéro tank hein. Là il suffit d'une agression de stalker et puis il est bien hein. Ouais mais il a un wall assez solide hein, parce que c'est un spatio, une engineering bay. Ouais avec spatio port. Ça me rappelle le wall de Schweppes. Il faisait comme ça. Et en TVT aussi. Bon. Mais il y a eu des drops, il se passe quoi? Pourquoi White il... Ah, il m'engolit chez lui là. Ouais. Par contre, c'est quoi sa vision? Il a une vision totale sur son adversaire, pourtant. Il veut pas y aller. Il veut faire... Macro là, il devrait poser B4, hein. Il devrait absolument poser B4. Ouais. Il sait que son adversaire ouais il crop pas bien là, il a pas bien crop à un moment et il est derrière au son, c'est pas au contraire. Il est derrière. Bah après il a fait phase 3 CC hein. Ouais mais Whitelinker son Nexus, son troisième Nexus il était bien aussi. Et là, il fait pas plus de sonde, quoi. Il s'est arrêté. Il est derrière en pop. Ah ouais. Alors, soit il rajoute 4 gates et il part sur le plus gros all-in avec charge et une upgrade. Oh là là. C'est lecture de jeu, mon gars. Je devrais être payé pour faire ça. Ouais. Il veut pas poser cette quatrième base, hein. Il pose littéralement 4 gates et sa forge se finit. Est-ce que c'est pas de la vision dans le futur? Par contre, il remplit pas ses gaz et il lui manque des CV en fait. Voilà, Macro a clic, pose sa tente. Tu vois, il est en train de poser les pieds. Ouais, Macro a clic, il s'arrête pas sur les VCS. Hein. Macro a clic, il est parti pour jouer comme son nom. Comme son nom l'indique. Par contre, il aurait dû poser un CC de plus quelque part. Il n'y en a pas. Ça sert à rien d'avoir 80 workers sur 3 bases, hein, parce que on va pouvoir écouter plus. 23, hein. Ouais. Après la pose de P3, faut trouver le timing. Ah bah là, ouais. Il est parti sur son A-click là. Alors, est-ce qu'on aura déjà la Storm hein? Ouais, mais look at the supply, mon ami. Non, mais Proto, c'est bon, il n'y a pas besoin de supply. Ah. Il arrive au 200.
c'est le charge. Il y a Y a des pas la mine dans sentries. sa compo. Il n'y a pas de sentries. Jito, il est pas content parce que c'est pas son interface. Allez, attends, pas pour la pique. Oh. Bah ouais, mais il y a 52 pof de plus, hein. C'est pas non plus résistible. C'est mis, schématique. Là, c'est la partie rêvée pour ma peau. La boulette va pas changer grand chose. Ouais, du coup, qu'il en reproche pas derrière. Ah, ça manquait de sentry en fait dans sa compo. Bah, le truc c'est qu'il a eu le cul un peu entre deux chaises. Il a rempli ses trois bases et a arrêté de faire des probes. Et du coup, ça veut dire ensuite derrière tu max et tu bourres quoi. Ouais. Mais il n'a pas produit d'unité et il a essayé de teker un peu dans tout. Et si voulait monter progressivement en tech et en pop, il fallait plutôt poser une base de plus et avoir chrono avant en fait. Il aurait pu être à 85 prop s'il avait fait ça. Là, 70 pop de diff, un colosse. Ouais. 7 trackers. Au niveau des upgrades. Le 1-1, là, il a bien chrono ses upgrades, il a bien chrono ses upgrades, il a rattrapé son retard, il a une upgrade d'avance. Ouais. On pourrait blinkin dans ce bordel. Là. Soit la boulette de la victoire, soit le manque de boulette de la défaite. Oh, c'est trop. Mais il y a énormément de maraudeurs là, il a pas la compo pour les maraudeurs. Bah, il a une... C'est pas, non, c'est pas la boulette de la victoire ça. Non, ah, bah ouais, les maraudeurs en général c'est marrant. Hein. Ah, il y a un peu de friendly fire de la part des tanks là. Ah, c'est comme des films là. Oh, faut finir. Après, il y a l'économie du terrain. Qui est en vadrouille. Et il est parti. Ouais, l'économie du terrain qui est loin devant. Ah, Marc, hein, il peut. Sur le long terme, il peut peut-être perdre. Vu que c'est pas trop son match-up. Et encore, il n'y a pas de ghost, hein. Pas de ghost academy là. T'as changé ton micro, t'es 5 fois plus volumique. Ouais, je l'ai rapproché. Allez, il faut sortir. Ouais, tu t'es dit, il y a plein de maraudeurs, je prends des limos. Bah ouais, c'est cool, mais j'aime bien. Et que de limos en face. Tu fais 5 que de maraudeurs. Remarque avec le IB là, par contre, faudrait peut-être qu'il fasse des tempêtes. En vrai, cette transi là, elle est tellement relou. Ouais. Ouais. Allez, il va poser une B5. Bah, ça serait bien qu'il push pour cette future B5 du Terran. Mais il est pas dessus. Putain, cette compo!
Elle est trop bizarre, il n'y a pas de Marines. Et White, il fait la Deathball, le Protoss. Il a quasiment stop la prod de Colosse. Vingt-sept sur 16. Faut splitter l'ami. Est-ce que tu crois qu'il va se prendre un supply block? Ah. Allez. Oh là là. Oh. Oh là là. Ah, une autre, une autre. Pouah. Oh là là, cette prise de fight! Ah ouais, un bon protocède là! Oh, il a fait un F2 alors qu'il aurait pu au moins le mettre supply block ici. Non, il voulait cette passe. Ouais, tu peux essayer de réparer, mais il y a des immortels. Ouais. Les immortels contre les bâtiments. On voit tout de suite pourquoi ils sont pas. Ah là là, Starmac, c'est bien. Ah, tu vois son niveau en TVP, hein, on comprend un peu mieux. Ah, une prise de fight. Regarde les graphes, regarde les graphes. Attends. Ouais, graphes armés, je pense que ça va être pas mal. Oh là là. Attends, il a perdu. Un peu moins de... pas loin de 700, hein. En l'espace de 20 secondes. Alors, prochaine Jaganata. D'accord, hein, le terrain a perdu genre 52 pop sur la disru. C'est pas ready, White Nicker il est en terrain. Ouais, j'ai eu. Zephyr, est-ce que tu as mis l'interface? Non! Mais l'interface! Pourquoi? Mais parce que c'est illisible l'interface, tu vois pas les récolteurs et tout. Ça gêne que toi! Mais non, ça gêne tout le monde, on est tous en train de râler pour l'autre. Attends, je vais dessus alors. S'il y a que toi, je change pas. Ok. Y'a que toi qui change. Ah, y'a que toi. Moi j'aime bien ma petite interface. Mec, elle est dégueulasse, tu vois pas les récolteurs, tu vois pas les avantages en source, t'as 10 fois moins d'informations. Tu peux pas casser avec ça. T'as le supply en haut à droite, t'as la production en gauche. Oui, non. Mais ça tu l'as. Ah, je sais, c'est bon. Je vais CS3, voilà, pof. Et coche les deux cases aussi. White, il est Protoss, c'est bon. Voilà. Oh le relou! Mais il a raison, change la scène aussi. Il est déjà changé. Ça va Zephyr, ça se passe bien ton cast. On va se mettre en conf privé la prochaine fois. Déjà incendié à la première game. En même temps qu'il a envoyé le message sur Twitch.
Ouais. C'est pas mieux, hein. Alors. Tiens, je vais donner la caméra. J'enlève mon attel alors. Ah merde, je peux pas Alors, switch. bienvenue dans ce match où nous allons avoir la deuxième game de White Linker en bas à gauche de Jagannatha contre Macro Atlic en haut à droite de Jagannatha. Merde, y a une couille. Le premier match était un peu spécial avec Macro Atlic qui avait décidé de faire un petit wall étrange à base de spatiaux, d'engineering bay et de dépôt. C'était la seule chose un peu logique dans un wall. Terran. Et là. C'est bon, je t'ai donné la main. T'es bien sur White Comment? Linker là en ce moment? Ouais. Ça bouge un peu Voilà. normalement. T'as vu, ça bouge, ça bouge, ça zoom. Ça zoom, ça zoom. T'es dessus? White Linker. Yeah. Petite licorne. Le Et cavalier. Macro Atlic. Fantastique. Astors. Allez, super, Alors, super, qu'est-ce super. qu'il va faire? Ouais, son cyber est late, il est en train de perdre une probe. Oh là là. Et il a l'air de ça, il sait pas C'est ce la qu'il faut. PLS Il économique. fight sur les Ah. deux fronts. Est-ce qu'il va avoir le VCS? Moi je dis qu'il va l'avoir. Moi Parce je que la lance mon probe dé. est morte là. Il l'aura pas. Oh, il Aïe s'est fait aïe aïe réparer. aïe. Il s'est fait réparer. Pour l'instant, nous n'avons perdu qu'un seul VCS qui s'était retrouvé coincé dans la B1. Déjà une bonne action. Et donc, qu'est-ce qu'il va lancer tout de suite derrière? Parce qu'il a les thunes, donc j'imagine que c'est un Twilight. Je lui ai dit un Non, PO non, moi j'ai. agressif, on va voir ce qu'il va faire. Il Il va m'a dit qu'il siphler en les avait pas dans blocs. son répertoire. Et il vient de gâcher les deux tiers d'un chrono boost. Ah. Et il se fait cancel son truc. Il se fait scouter. Ah bah le Il fait fait d'avoir Nico. ralenti le cyber, hein, ça fait ça. Bah c'est le pylône qui manquait en fait. Oh là là, Parce que quand 3. tu fais un cyber avant Nexus. Ah non, pas un quatrième, s'il te plaît. Voilà. Et quand tu fais un cyber avant Nexus, il faut que ton pylône y soit mais carré Ouais. quand t'as les minerais pour le faire. Sinon, ton cyber se finit et t'as pas assez pour faire l'adepte, enfin pas assez de supply. Mais là, évidemment, le terrain m'a un peu aidé en lui libérant du supply. Tu vois ce que je veux dire? Oh, il a perdu 3 sondes, hein. Ah, il C'est panique un énorme hein, peu, en début de game. White. Il Ah panique un peu, oui, White. carrément. Il n'y a pas de rally point, enfin il n'y avait pas de rally point sur sa B2, mais il a corrigé ça. Il rajoute une robot et il est parti pour faire Un drop d'été. un drop d'été. Hein. Tu lui as dit aggro, il s'est dit. Oh là là. Oh, bon. C'est un drop mine. Ce coup-ci, c'est un drop mine. Le spatio est à l'arrière. Il n'y a pas de wall avec. Il y a une mine. Ouais. Il n'y a pas de centre technique pour le moment. L'inconvénient, c'est qu'il était parti dans la game d'avant directement sur Corbeau. Mais il n'y a pas fait de corbeau dans la game d'avant. Si? Si, quand je te disais bon, qu'il allait partir drop mine, tu me dis ah, mais il a fait un corbeau, c'est pas la peine. Mais non, je t'ai dit, Non? il a fait Un un viking? viking. Un viking? Ah oui, il a fait un viking. Oh. Mais viking et corbeau, c'est pas du tout le même mot, Zephyr. Non. C'est pas du tout. J'ai mal t'entendre. Je t'ai mal écouté. Ça peut se comprendre. Par contre, il s'est fait scouter. Il s'est fait turbo scouter parce que l'ami est en train de. Bah, tourelle de partout. Il a BO anti-DT en fait, mais au moins White il part sur quelque chose de macro. Je
droit de perdre. Non, 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 non. Il fallait dessus. T'en avais besoin. Remarque. C'est un réacteur sur le Starport, donc il aura rien. Sur ah, le... c'est bien, mais où est le prisme? On a oublié le prisme. C'est un immortel qui sort. Je crois qu'on a envoyé les DTS. Ah, il a cancel en fait. Il fait une Dark Shrine et puis il sort même pas de DT. Bah, il y a un DT qui est venu, il s'est pris une mine et c'est tout quoi. Au pire, t'en fais deux autres et tu bloques les, la pose de base. T'as ma vue là ou pas? T'as bougé? Ah non, j'ai ta vue. Ouais, enfin, ça c'est un rally point d'Ops, là où est parti le Mimo. Ouais. C'est pas une très bonne idée. On voit la même chose hein. Par contre là il est pas. Il n'y a pas de B3. Je pense qu'il va partir sur un timing push all-in, hein, notre ami Terran. Vu comme ça c'était bien passé le, la game d'avant. Il l'a posé à 6 minutes. Ça se déroule un petit peu comme la game d'avant. Ça bouge pas. Ouais, ouais, ouais. Pas de colosse. Le Tinker est en avance sur les probes. Il a bien probé, là, il est, ouais. Il est bien. Il a pas fait de. Il a pas fait un 13ème CC à 5 minutes, cette fois-ci. Wade qui fait ses upgrades, qui les chrono, ça fait gagner des games, hein, ça, c'est propre. Ouais, qu'il expande, ouais, il est parti expande, c'est un peu late, mais. Une P4 à 7 minutes. Ouais. En même temps, il se passe pas grand chose. B3, Wade. Come on. Allez, Limo, regarde où il va. Il est parti vadrouiller. Allons, enfants. Oh putain, il est rallye jusque. Tu prends les pas. Ah, il s'est fait F2. C'est bon. Oh la chance. Non, non, même pas de F2. Les autres troupes, elles ont pas bougé. Ah, l'Ops, il est en train de revenir quand même. Ouais. Et tu on déconne. Allez, on est bien. On surveille ce que fait le terrain. Il y a quand même beaucoup de tanks. Hein. On est sur du 4 tanks. Oh, il aime pas les prismes. Hein. Pour faire des tourelles ouais. Défensives comme ça. Le terrain n'a pas oublié le shield. Qui a signé maintenant. Par contre, il n'y a qu'une seule idée. Mets-toi pas supply, White. Hein. Il accumule un peu de ressources, il a pas split ses probes sur la B4. Que, ouais, il est en train de rajouter des gates, mais là il a vraiment pas assez de gates en vrai. Ouais. Il a que. Il va en avoir 8 total. J'ai perdu le contrôle. Il en rajoute 4. Il est dans mon esprit, là, White, c'est impressionnant. Oh là là. Ça pour ça. Alors. Toi ça doit être le 3. Hop. Ouais, t'es le seul à regarder les replays, les games comme ça. Avec une vue aérienne. Au moins je peux vite te trouver. Ah là là, ça poule les boys là. C'est vrai, ça poule les boys. Ouais, ça poule les boys. Il a attendu son 200 de pop et il va. Oh, pourquoi il a pas le storm? Je crois qu'un disrupteur ouais, ça va pas changer grand chose. On a ni de colo ni de storm à 10 minutes, c'est un peu bizarre. Je pense que ça va mal se passer. Il y a des archons et ouais. Il a vu venir. Ouais, allez, il y a 5 tanks. Allez, Bouboule, Bouboule. Non. Il allait revoir la Bouboule. Hein. Ouais, il a remarqué.
quoi il a back? La pire idée. Les élotes coincés à l'arrière. Est-ce que la bouboule va réussir à être là? Non, on se fait tenter. Bon. Bon bah là, Steam Eclipse. Steam Win, Steam Win. Steam Eclipse, hein. Alors, pour la suite des festivités, nous avons un PVZ. Ah, au moins il n'y a pas besoin de Colossus pour ça. Ouais, ouais, remarque. Un peu. À quel moment tu fais des Colosses contre Zerg? Contre Zerg? Je pense pas que t'en fasses, hein. Si. Enfin, dans la méta actuelle du Void Ray, Carrière Storm Archon, pas trop de quoi. Moi, tu la joues old school, Stalker Blink, Sentry et Colossus. Allez, c'est écrit. Mais j'ai pas eu de lire. Où est-ce que je l'ai mis? Au mauvais endroit. Hop. Sword, il est prêt. Je l'invite. Ensuite, notre ami. Donc, dans cette flamme noire, nous on fournit les protos, c'est ça? Notre. Ouais. C'est soirée Protoss hein, chez Angel Week ce soir. Grosse soirée quoi. Oula. Nos joueurs ne veulent pas jouer. Table. Sword, il faut qu'il en gagne une et on est bien. Ah merde, putain. Language, yes. Alors, s'il te plaît, où es-tu? Mon cher adversaire, Lorimbo. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, wait a moment, il doit avoir un problème. Ils nous font languir. Je suis bien en live. Je joue la carte du temps. Ils nous font mariner. Ouais.
ils ne font pas être. On n'a pas le temps là. Il y a Sword qui est chaud, il y a la patate. Il nous faut tourner en rond. On ne peut pas dire poireauter. Tiens. Faut que j'aille aux toilettes. Il est prêt. Il est ready, le mec. Ouais. C'est ça. Soit. C'est parti. Je te lâcherai la vue pour le début de la partie. Ok. Allez, on est parti et on va maintenant faire un petit PVZ sur Romanticide, qui est une très belle map à faire des trucs qui volent, parce qu'il y a plein de dead airspace. Et même en PVT, hein, souvent les gens ont tendance à faire des trucs sympas comme des Phoenix par exemple sur cette map. Et on va avoir donc notre troisième joueur, Sword Knight, qui va jouer contre Lorimbo. Pour peut-être ce qui serait une balle de match pour nous. Donc on soutient à Sword autant que possible. Sword qui scout la poule first et qui devrait avoir la bonne réaction, c'est-à-dire de rajouter des gates. Rajouter une gate. Un sword. Sword, t'as vu là? Alors, je suis curieux de ce qu'il va faire. Et un back. Scout, et il attend le dernier moment. Il m'avait prévenu qu'il savait que son adversaire allait faire 12 pôles. Eh ben, il avait raison, son adversaire est un 12 pouleur. Ouais. Mais il a fait 15 fois le tour de sa base pour aller chasser la probe qui est toujours vivante et qui suit les links. Parfait, alors tiens compagnie. Ouais. Avec le deuxième zélote. Ouais, un deuxième zélote qui arrive. Alors, je pense que là il y aura assez de DPS. Premier zélote, deuxième zélote, on va bientôt lancer l'adepte. Et Lorimbo qui s'est trompé et qui a tapé la deuxième gate. Plutôt que le cyber. Tout gâché quand même. Alors, la théorie raconte que tu dois faire gate puis cyber. Gate cyber. Et produire sur les deux gates. Ah. Parce que si c'est un vrai 12 pool et que le mec a gardé 3 larves pour faire direct 6 earling et les envoyer chez toi au timing parfait et crack, si tu fais ça, tu vas pas pouvoir sauver ton cyber. Minimum, sinon tu vas prendre des dégâts, même des dégâts de probe. Et surtout, le plus important, c'est de pas oublier le deuxième pylône. Parce que tu vas te retrouver supply block sur 23 et tu pourras pas lancer les unités de gate supplémentaires. Bah là, il a plutôt bien fait, hein. Il y a pas de supply block. Ah, il a posé le pylône dans sa B1 même. Et ça fait mon unité préférée qui commence par Void et qui finit par Ray.
C'est une longue lettre, hein, dis donc, Void. Ça s'écrit comment? VOIDDE. Aïe 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 aïe. Et Ray, Era, grec. Et voilà. Swap qui nous fait un PVZ d'une des pros hein, avec son BO bien léché, Void Ray, Oracle. Ah, il a pas peur. Suivi de B3 à 4-20 alors qu'il a pris un 12 pool. Ouais, B3, ouais. Je sais là, même pas contre, su il devrait que le Z l'a vu. Il prend pas. Il fait trop de prends ses gaz trop tôt, il prend pas. Ah, oh, cette énorme pause sur la fabrication de propre, c'est horrible. Ouais. Allez, swap, monte tes propres. Tes propres. Tes propres, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, mais je crois qu'il est ailleurs. Il doit être sur un autre truc en parallèle. L'oracle, il fait quoi? L'oracle, il traverse la map tranquillement en haut à droite. Bon, je pense que c'est surtout pour la vision. Ouais, moi je pense que l'oracle, s'il essaie de prendre des drones, il va surtout mourir. Ouais, il y en a deux. Pas de tentative. Ouais. Tout d'un coup, il a pris 4 tartines et il s'est dit: je suis pas venu là pour souffrir, ok? Ouais. Mais la Void Ray, elle est pas là pour plaisanter. Elle s'est déjà fait 3 Overlords. Elle dégage, hein. Ouais. On a le deux targets, on a les B3, on a recommencé à faire des probes de hier. On a un superbe battery shield derrière la B3. Plus un attaque aérien pour, le. Ouais, on est parti pour un très très beau Skytos des familles. Et pendant ce temps-là, Lorimbo qui est parti pour des Roach avec une upgrade en plus. Donc lui il se dit: j'ai pas envie de jouer contre le Skytos, je vais bourrer. Allez, ça passe ou ça casse. Mais il y a les Hydras avec, hein. Non? Bon, j'ai mal vu. Y a pas d'Hydra? Les Hydras. J'ai mal vu. Ouais. Y a pas d'Hydra? Ah, j'ai cru voir le bataille Hydra dans la chaîne de production. Pas confondu avec un sporeur. C'est à peu près la même tronche. Peut-être. Bon oh bah là c'est calme hein. Bah c'est très très calme. Tiens, on route des guilds. Ouais. Et un Templar Archive. Charge plus 1. Il a scouté les roaches. Et il se dit: eh monsieur, il va me bourrer. Et monsieur, là, je le vois. Il l'a scouté avec la dernière agression de Voidray. Ou peut-être avec l'oracle. Avec l'oracle, ouais. De B4, ça bourre pas avant. Alors, normalement, si tu fais all-in, t'es censé faire des queens en continu et taper vers 6 minutes 30, 6 minutes ouais. 40. Peut-être un peu plus tard si tu mets plus de choses dedans. On est loin du timing là. Soir, fais des probes, fais ta storm, fais des arcons. Ouais, attends, il se passe un truc au sud là. Avec ses Void Ray. Ah oui, c'est ça, il est là-dessus. En vrai, là, son adversaire a pas respecté et il n'y a pas assez de queen. Il n'y a qu'une queen. Pourquoi t'as peur? Oh non, on perd pas cette Void. T'as pas... Non, tu fais ce que tu veux, mais un truc est sûr, t'as pas le droit de perdre de Void. Ça coûte trop cher, c'est trop gros. Et pas sur Storm. Ouais. Il se fait scout la sortie des Void Ray. Ouais, par contre, point de vue macro, il est derrière. Là, il est derrière. Niveau worker, ouais, il est même derrière là-dessus. Ouais, il est que sur B3 et il n'y a pas beaucoup de défense statique. La Star Wars se termine bientôt. De défense statique. Et même si ça arrive à 8-30, là, il est pas prêt. Ouais, il est parti sur timing. Attends, la stase là, elle va prendre beaucoup. Sauf si c'est le Zerling qui la déclenche. Ouais. Oh le suspense. Oh le suspense, le suspense. Oh non, il avance pas. Ah. Oh parfait.
good shit. Oh là là. Ça fait plaisir. Et là, Sword, il sait. Sword, il sait, il l'a vu. Ouais. Allez, allez. Il a la Storm. Oh, le cyber. En vrai, le cyber, là, ils sont... Là, les Storms bien paquets, là. Il y aura pas assez, hein. Il y a tellement de Queen. Bah oui, mais ça c'était une très belle défense s'il avait fait les défenses statiques qu'il lui fallait. C'est-à-dire les défenses statiques, plus de photons. Il fallait 4 canons, 5 batteries shield dans l'interstice là. Ça là, cette zone là. Les billes elles sont mal faites. Ici, là, ouais. Tu mets tout sous la B3 et c'est. Ça passe pas du tout quoi. Ouais. Un autre truc que j'ai vu les gens faire pour def ça, c'était des DT, mais bon là le mec t'a pris du coup il y a des oversets. Au pire, déjà il avait pas assez de void ray simplement. Il en aurait fallu une bonne dizaine. Ouais, c'est dommage. C'était une bonne... Ça s'est joué à la macro hein. Ouais, ça s'est joué à la macro. Deux matchs. Ouais. Sur Pillar of Gold. Alors, tu peux rejoindre de la partie. C'est fait. Sword, il est là. C'est bon. Sur la race, parfait. Allez, ils sont prêts. Ça commence assez bien. Ouais. Mais faire deux spatiaux pour sortir 5 void ray et un oracle, je sais pas si ça vaut le coup. Il aurait tellement pu continuer. Et puis gratter les coins au pire. Je crois pas. Ouais. Ce que Light disait là-dessus, c'était de faire Templar. Et de garder tes Templars naked quoi, et quand les Queens arrivent tu feedback tout, tu les recules et tu les morphes en archon. Ouais. Tu combats avec tes batteries shield et... Ah, à ce niveau là. Et s'ils passent par le côté droit, au lieu de la porte d'entrée. Ouais. Mais par exemple ici là sur Pillars c'est horrible, c'est défendre ça là dessus c'est terrible parce que t'as 300... d'entrée. Alors là je sais pas s'il va 12 pull. Il va peut-être bloquer la pose de B2. Ouais. Alors ça peut pas être un 12 pull. Parce qu'on est à 17. Bien vu. Ah, premier sur l'analyse. Qui fait le même départ. Attention. Eh bien, écoutez, pour cette game potentiellement dernière de la série, on va compter sur Sword pour être incisif et rentrer dans cette game.
Voyons s'il va partir sur la Il a vu qu'il n'y avait pas de pool, et il a vu qu'il avait réussi à pousser le Zerg à prendre sa B3 en tant que B2. Donc il peut poser son Nexus après sa gate. J'ai pas l'impression que ce soit au bon endroit là, le cyber. Je sais pas si c'est dans ma vue, mais j'ai pas l'impression que le cyber soit dans le bon endroit pour cette map. C'est pas vraiment. Je crois qu'il a trop avancé le pylône, non? De toute façon, la deuxième gate elle va être à gauche. Ouais, t'as pas oublié la scène, hein? J'ai la scène! J'avais oublié la scène, j'y crois même pas quoi. Est-ce que ça a eu le temps d'aller? C'est pas bien, c'est pas bien mis le cyber, parce que là il est décalé d'un cran et c'est un coin en diagonale qui peut pas tenir avec une seule unité. Mais on a une pose de Stargate très très propre. Deuxième match. Ouais. Laurent Beau qui scoute ça. De toute façon, je peux pas l'empêcher de le scouter ça. Voilà. Et du coup, là, Sword, il doit devoir mettre un pylône à la gauche de son cyber s'il veut voler ce passage. Parce que sinon, ça tient pas. Ouais, elle arrive. Ah ouais, je lui ai rappelé. C'est bien, je le rends. Un petit chiki. Ah, propre image. La perte de l'IA. Avec le speedling. Oh, remarque. Non. Non, il a un peu tardé à faire sa shade. Ouais, même départ. Ouais. Ça c'est un peu le wall du désespoir. Mais on est un peu plus tard, si vous voulez. Wall du désespoir, hein, pourquoi? Pourquoi il panique? Qu'est-ce qui se passe? Il a eu le speedling. J'ai dit il va peut-être prod. Par contre, il a aucune. Non, mais là, il met deux batteries shield et. Il n'a pas vu de Roadwatch Warren, il anticipe qu'il va se faire bourrer, mais. Ouais. Ça va pas être très vite quand même. Hein. Il a toujours double space au port. Toujours en RP. Là, il y en a trois. Hein. Il va backer. De B3 de l'attaque. Bon, bah, on a quasiment une game mirror hein, par rapport à celle d'avant. Ouais, il prend pas mal de dégâts là, sur ses agressions. Mais en vrai, là il probe un peu mieux. Sa B3 est un bon timing. Et là, par contre, il est pas sur ses queens. Et Sword, qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Il aurait pu partir en fait sur la B3 du Zerg directement pour aller dépop. Il n'y a aucune queen. Mais ça, il le faisait pas. Enfin, il a vu 3 queens se déplacer ici, donc automatiquement il n'y en a pas sur chacune des bases. Oui, mais quand tu joues ce match-up, des fois tu vas à un endroit, il y a 5 queens, tu vas à l'autre endroit, il y a 6 queens. Et... Ah, ça me coûte la faute. Par contre, là, il va prendre une information intéressante. Déjà, il va prendre. Ouais, il va prendre quelques ouvriers. Ah, ouais. Ah, c'est bon, ça, il y a eu un bon gros move de toutes les queens. Alors, il est sur les adeptes, il a fait un clic sur la couveuse. Ah, il a pas activé le gros rayon pour tuer la couveuse. Je crois qu'il aurait eu le temps. Avec le gros rayon. Ouais. C'était mort. C'était un travail trop fait en ce moment. Un travail parfait là.
Mais il a tué plein de V16, enfin plein de drones avec ses deux adeptes, parce que le Zerg a pas fait gaffe. Et il a pris l'information qu'il y a plein de Roach qui arrivent. Donc il a posé une forge. Il va pouvoir canonner toute sa B3. Il devrait le faire à droite, là où il a mis ses 6 batteries shield là. Et comme ça... Non. Oh, ils ont... Ah, il prend beaucoup de dégâts là-dessus. Ouais, mais en vrai... Ça passe encore. Là, il peut contourner et partir sur B1. Ou B3. S'il veut continuer de mettre la pression. Qu'est-ce que tu ferais à la place de Sword? J'aurais fait le tour par toute la gauche pour aller direct dans la B1 et sniper la B1 parce que les queens sont bien stackés. Ouais, et c'est l'endroit le plus long à trouver. Enfin, pour les queens. Et en plus, là, il y a du creep, c'est l'horreur. C'est dommage qu'il ait pas fait l'oracle comme il l'avait fait dans la game 1. Et là, tu vois, il y a 8 queens. Mais au moins, il est dessus. Ça, c'est bien. Il devrait tellement faire des canons. Genre, il voit toutes les roaches, il voit tous les machins. Juste pose 5 canons devant ta B3. Il pourrait de la même façon, en fait. Il a tellement rien. Bah oui. Il va attaquer B1 au pire moment, en fait. Oh là là, il s'en bouge. Stack-toi et recall. Bien, ok, il recall sur le bon truc en plus. Ouais, y a pas de queen cette fois-ci. Il a le rayon, il passe bien. Il s'est pris des bonnes billes là. Et il bouge pas. Oh putain. Les queens cette fois-ci, elles sont là. Allez, t'as de la thune, tu peux voir. Il a pas d'immo. Il abandonne la B3. Ouais, non, mais il fait des stalkers. Le problème des stalkers, c'est la grosse taupe. C'est le pire qu'il puisse faire. Il y a que des queens et des ravageurs et des. Les stalkers vont titiller ça à peine. Et des queens qui ont pas mal d'énergie. Hein. Ah, il a fait des sentries. Il a fait des sentries. Ah, les batteries shield sont complètement vidées. Des débiles qui ont touché. Débiles, malheureusement. Et là pour défendre, plus de 3 stalkers, une sentry et un void ray. L'overcharge elle ne vient pas assez vite. C'est dommage. Ça nous fait une égalité et donc on va devoir choisir un ace pour se déterminer. White Licker n'est plus là. Il reste en fait entre Sword et Novo. Je sais pas si Novo est là. Envoie-lui un message. Sachant que Novo a gagné ses 2 matchs. Ouais. Il porte souvent les clans war. Hein. Alors, Submarine pour la dernière map.
je l'ai envoyé un message sur Discord. On va voir ce qu'il nous répond. Ah, il est là. Il est là. C'est le même joueur pour le Ace Match. On s'y attendait en même temps. Ouais. Faut mettre les résultats. 3-3, parfait. Ace Match. On va balancer le robot. Check. Sous-marin. Sous-marin. Quand étrange comme nouveau nom. Notre spécialiste de l'escroquerie sur sous-marin. Aïe aïe aïe. Je crois qu'on est bon. Je me sens plutôt bien du coup. Je me sens plutôt bien. Je voudrais pas Jinx, donc je vais être. Être prudemment hopeful. Les gens commencent à être ready. Ouais, ils ont leur race respective. C'est bon. C'est bon, Zephyr. Tu peux nous amener dans le. C'est parti. Ah, il y a Purse qui s'est fait tège. Je comprends pas. Ah non, il a rejoint. Okay. Ah, il vient de rejoindre. Et on change de scène. J'allais même pas te le rappeler. J'allais même pas te le rappeler. Non mais je le sentais. Je savais que je pouvais te faire confiance par rapport à la scène. Et je vais te laisser être le caméraman justement de ce S-match. Tu es bien parti. Eh bien on est parti pour ce Ace Match. Nous sommes sur Sous-marin Ladder Edition. Nous avons Lorimbo, le Zerg, Macro, Max Roach traverse la map avec des queens contre notre nouveau national en Protoss en haut à gauche de ce sous-marin. On a donc directement un 12 poules de la part de notre Zerg. D'emblée. J'avais prévenu nouveau, c'était un 12 pouleur. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Il aime les poulettes. Et moi je pense que Novo il a posé une forge. Non, presque. Ah, c'était bien tenté. Ouais, je. Alors, il a envoyé quand même une sonde d'emblée. Ouais. De scouting. Il va le voir tout de suite, ce fameux 12 poules. Ouais, il va voir direct le 12 poules. Il va renvoyer une probe en bas. Prends le gaz, c'est normal. Il prend quand même le gaz. Allez, Coronès là, porte les couilles. Ouais, Coronès, et voilà, ça c'est la réponse usuelle où tu vas poser double gate. Et c'est là que j'ai peur que le gaz gêne un peu, mais t'en as besoin après hein, pour l'adepte. Donc, c'est pas mieux de poser le cyber au milieu? Normalement, tu poses le cyber au milieu, et normalement aussi, ce que tu en fais, fait, tu vas avoir un zélote qui va vadrouiller pour aller jusqu'au zélote. C'est aux Erlings. Ah, le truc c'est que normalement tu décales le bâtiment qui est devant, qui est au milieu, genre le cyber, de un cran. Parce que ça te permet de poser ensuite derrière deux quinconces un deuxième bâtiment de 3x3 ouais. Et de waller avec. Parce que là quand ils sont alignés, tu peux pas faire ça. Et Oh de justesse.
Et tu vois, il était un peu tard sur le pylône, et du coup, là, il est supply. Il va cancel le... Ouais. Le setup du haut, non? Non? Il chrono même pas. Si, il cancel et va lancer la dette. Ouais. Deuxième zélote. Ça va pas passer. Il l'annule. Pourquoi il lance pas de depth? Ça y est. Est-ce que nouveau, il a décidé d'économiser? Il a préféré poser la batterie et un seul adept. Ça va pas le mettre derrière cette batterie? Bah écoute, une batterie c'est moins cher qu'un adept, non? Ça c'est vrai. That's right. Et là il est en train d'économiser le gaz, c'est pour ça que tu vois aussi pas lancer le Wartech. Parce que évidemment il veut avoir sa tech. Ah non, okay. Pas de spatio au port, ok. Pas de spatio. On est sur du nouveau là. Hein. On n'est pas sur, sur la même... Un petit drop IMO là, à l'ancienne. Pas la même longueur d'onde, hein. Là on est sur quelque chose d'un peu plus tongue in cheek, tu vois. Un peu... Ah voilà, robot suivi de Twilight en, dans voilà. Le désordre. Un petit DT alors. Bah ouais, mais non, pour faire DT c'est l'inverse. J'espère qu'il a suivi le stream, comme ça il connaissait bien son adversaire. Après, il a le niveau, il connaît les airs. Alors, le... Déjà, il lui dénaille vachement bien le creep. Ouais, il a pas trop avancé. En même temps, un départ de spool, hein, ça le retarde. On économise. Il va se faire et... Oh, c'est la charge. Un charge d'autoline. Oh oui. Oh oui. Et normalement, il va faire ça. Ah, on regarde en bas là. Il va pas poser 3 gates là. Normalement, il les pose quand même à la maison, mais il a déjà 2 gates. Là, il se fait totalement scouter son truc. Ouais. Ouais. Et là, la force, c'est qu'il va pouvoir utiliser son prisme pour warper dans B1, le pylône pour arriver dans B3. Et normalement, avec ce truc-là, t'accumules un peu du gaz, donc tu peux transiter et avoir quelques templars. Oh, 5 gates. Mais le temps qu'elle sorte, il aura le temps de poser ses défenses quand même, la Rainbow. Ouais, mais il a pas chrono la charge. Utiliser les chronos sur les gates, je pense. Sur les probes, là il a arrêté de faire des probes. Hein. On est all in à 100%. Ouais, et tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup de gaz, pas beaucoup de gaz récolté. Ouais. Et il a fait une bête soutien robotique. Bête soutien robotique. Je crois qu'il est du genre à faire colosse. Moi, je suis très curieux de savoir. Aïe, 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 aïe. Il aura le temps de faire sortir les. Qu'est-ce qu'il faut là, en côté Zerg. Je sais pas ce qu'il fait. Le truc, c'est qu'en général, ça, t'essayes d'avoir des. Et plus 5. Le plus 1 d'attaque et peut-être un archon ou deux. Là, il n'y a même pas de bundling, hein. Ouais. En vrai, là, il devrait activer le bouclier gardien s'il peut. Ouais, il a poursuivi à la place. Là, il n'y aura pas assez de DPS pour Novo, là. Il y a Wigan, là. Oh là là. C'est des charges lock, monsieur. Hein. J'ai tellement pas l'habitude de voir ça. Donc, des charges lock, c'est du bourrage de qualité. Ouais. Il fait de la bonne charcuterie là de Serg. Ouais.
là il est comme la Circumman Gate. Il lui a bouffé 17 drones, on s'en fout à ce niveau-là. Au pire. Bah rentre à la maison maintenant, hein. C'est. T'as le double de worker. Ah voilà. Comme t'as je dit, le savais, je le savais. Nouveau, ce qu'il aime bien dans la vie, c'est les 10 rues. Je savais qu'il était parti avec sa roue mauvaise. Il aime faire des strikes, hein. Ouais. Par contre, son prisme. Ah ouais, mais le truc, c'est que là, le Zerg, il va se dire, je vais traverser la rue pour aller dans la base du Protoss. Ah non. Il hésite. Nouveau, il aurait. Je crois pas qu'il devrait emmener le prisme sur B3 ou B1. Je pense qu'il avait besoin du prisme de façon défensive, c'est-à-dire que pour récupérer le district aussi. Il pouvait pas se faire surrendre par les roaches. Alors. Et il a raison là-dessus. Reste bien attentif au district. Ouais, moi je veux voir le strike. On est parti pour un strike. Hein. Attention, c'est en vue. C'est pas dans la subtilité quoi. C'est tellement une horreur à défendre ça. Tu dois tout le temps être sur ton armée. Ah oui, c'est ça. Le spoiler il est plus trop dans le creep là non? Encore, il se balade avec un observateur. Il a pas besoin de vision. Ah oui, il est en train de saigner hein, ce petit Spain. Ouais. Attends. J'ai cliqué dessus. Ah il le redéplace. Il le déplace. Alors, deuxième boulette. Ouais c'est sûr. Hop. Non. Mais non. Il en voulait trop. Il s'est trop rapproché. Il était trop gourmand. Ouais. Ah, t'inquiète, il y en a encore un autre. Ça dit quoi l'écho? B3 contre D3, 52 à 49. Ouais. C'était 51 là, il s'est passé quoi? 37 à 74 en armée. Hein. Ouais, mais c'est des roches quoi. Rochling, ouais. Il ouais. Y a des photons sur cette P3? Non. Non, il n'y a pas de photons. Ouais, il y a de quoi descendre. Hein. Mais il va prendre, il ouais, va perdre quand même pas mal links, de. Mais là, quelques élèves par là. Il repart avec le prisme à droite. Oh! Ah, bah il claque le boost. Ouais, il a raison. Allez. Oh là là. Oh quel dommage. C'était pas mal en vrai. Hein. Attends, il y en a un deuxième. Oh trop gourmand. Après, faut porter ses balles là hein, pour faire ça. Ouais, il te faut un prisme entier pour avoir des couilles de cette taille là. Hein. Que ça passe ou sinon c'est moins 10 de pop un peu plus quand même et que c'est tendu. Là, il part sur Imo et là il part sur son push all-in qu'on a vu deux fois de suite. Ouais. Cette fois-ci il n'y a pas de void ray en face hein. Non. Il est où le prisme? Il est là le prisme. Il y a les boulettes. Mais est-ce que nouveau. Je pense qu'il aura l'occasion de striker là. Ouais. En vrai, nouveau peut quand même abandonner cette base si nécessaire. Mais je sais pas forcément. Ouais. Par contre, ces zélotes, il en a besoin quand même. Oh. Ah, il faut que tu se passes pas le prisme. Voilà. Oh là là. Ouais. Ouais, t'es pas mal là. Il va overcharge la batterie normalement. Il a la possibilité de le faire là.
Oh, le Plinkin là, c'était audacieux. Il reste pas beaucoup. Allez, boubou, ah, c'est bon, il reste que des queens. Ouais. Mais Novo est pas beaucoup en armée là. Saccageur. SR-Remax. Ouais, pas beaucoup. Ouais, ça va, il y a encore ses batteries, il peut. Il peut encore TP. Ouais. Ouais, troisième boulette qui touche. Ouais, ses boulettes touchent bien, hein, et c'est ça qui va faire sa défense. Étant donné que ça passe. Bon, après, l'autre est en train de spammer Roach, ouais, c'est un gameplay intéressant. Ouais, hein. Continue à rip de cette manière. Il a tenté de boulette. Bon, il y a encore des queens. En train de prod quand même sur sa. Sur il devrait quand même continuer de faire des imos. Ouais, il va évacuer toutes les queens. Attends, on a perdu 24 probes, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est correct. Ouais, correct. Par contre, Novo qui décide de ne rien prod, c'est un peu dommage. Ouais. Ah, c'est surtout sur la robot où on prod plus. Il a plus l'avantage économique là. Non, et 24 probes là. Et il est très très low en pop. Ah, quel moment il les a perdus? Elles étaient toutes regroupées quelque part. Ouais. Je sais pas, il y a eu 26 probes, mais après c'est peut-être un total qui ont été tués petit à petit. Pourquoi il tape son Novo? Ça fait de l'animation. Les cartes. Arrêtez ça. Les enfants. Arrêtez de jouer avec l'énergie. Ouais. Ah. Ouais. Ça c'est. Cancel là. Allez, fais des archons, des trucs, ça y est, de la storm. Il te prod avec ta robot quand même. Prod avec ta robot, sinon tu pourras jamais affronter ce 200 de pop de Roach Ravageur. Sur cette toute petite map, parce que, tu peux pas te déplacer. Il faudrait un deuxième robot. Ça y est, il a lancé des imos. Il n'y a pas encore de bundling, hein. Mais il devrait se positionner pour défendre sa base. Et là, il a perdu quoi là, il va se faire cancel, hein. Oh, il se fait focus. Il n'a pas eu le temps de détonner. Non. Il se fait circle. C'est l'hécatombe. Ouais, mais il y a beaucoup. T'as un problème de Yoko. Il y a même les queens qui sont en support. Ouais. La micro déplacement, je pense que c'est joli, mais ça va pas aider. Animo, il n'y a plus de disrupteur en production. Plus de link. Bon, il va peut-être perdre toute sa pop là-dessus, le Zerg. La batterie shield est KO. Il n'y a pas beaucoup de larves, donc je ne vois pas vraiment reprod derrière, mais pas vraiment de tech ou de trucs que Novo est en train de faire. Hein. Je vois bien les imos, hein, c'est bien, mais il y a trop de roach. Trop de roach, pas beaucoup d'économie. Ça fait 4 qui mine pas. Je pense qu'il avait trop misé sur ce disrupteur. Il s'est fait flinguer dès le début de la fight. Non, mais c'est un max roach. Il faut
il faut en fait le battre avec suffisamment de marge pour que ton armée se fasse pas éroder quoi. Sinon le mec ça lui coûte pas cher, il a déjà le supply. Attends, et... regarde le nombre de kills sur ces mots. Et 37. 37. Énorme. Ouais non c'est stylé hein, mais c'est malheureusement 130 à 70 pop quoi. On peut pas lui reprocher de faire des sexy play là. Le recall, le... Ouais, petit sexy là. Non, oh les Imo. Jusqu'au dernier HP. Oh, ils sont morts à la fin, c'est dommage. Allez Lovo. Tu n'as pas porté la team aujourd'hui. Mais tu as fait du bon boulot. Victoire de la team Air ce soir pour la contre les ligues. Deux minutes encore de plus pour pas spoiler. Ouais, alors en bas il y a 4 cassettes quand même, hein, c'est... Je mets à jour les scores. C'est pas limité à 4-4-3 cette... Non, c'est 4-9 max. Ah ouais. Attends, 4-8 max. Je pense à la Ligue Berserk. Novo versus l'homme. Bah non, bah non. Et voilà, voilà. Eh ben on va s'arrêter là. Bonne soirée tout le monde.